Je cherche un chanteur lyrique. Il y a quelqu'un. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Merci des chiens, mais c'est pas vous que je cherche. Y a quelqu'un ? Bonjour. Je cherche un chanteur lyrique. C'est moi le chanteur lyrique, oui. Ah, c'est vous ? Oui. Ah bah écoutez, enchanté. Je suis moi-même un... Bien. Je suis encore débutant pour l'instant. Je suis en troisième année, donc je suis vraiment... quand on connaît la difficulté de la discipline, je suis un débutant. Comment on passe de chanteur lyrique à berger ? Quand on est né berger, on est chanteur lyrique, on redevient berger. Retour aux sources, on peut dire. Ouais. Tout à fait. Et là, ça vous manque pas du tout la scène Non, pas du tout. Non, c'est des choix de vie, donc ça me manque pas, moi. Une vie, c'est long, hein. J'avais dit que je ferais ma carrière de musicien. Je suis parti au conservatoire, j'ai passé mes diplômes de chef d'orchestre, j'ai commencé à diriger, j'ai dirigé des écoles de musique, tout, donné des cours, directeur d'école de musique. Un jour, je suis venu au chant par hasard. C'est quelqu'un, une prof de chant, qui a trouvé que j'avais une très belle voix. Je suis parti dans le chant parce que j'adorais le théâtre. Je me suis retrouvé à l'opéra en tant que soliste, puis bon, j'ai fait ma carrière. Et à 40 ans, j'ai dit maintenant, je refais des études. Donc j'ai refait des études, j'ai repassé un bac pro, une licence en génétique animale. Et donc j'ai repris la ferme. Mais ça veut dire, dans votre famille, il y avait... Sept générations ici. De bergers, voilà. De bergers. À défaut de prendre des cours de chant lyrique, je vais prendre des cours de berger. Allez-y. Maintenant que je suis là, je vais apprendre un peu les... Alors, on veut apprendre à attraper un mouton déjà. On va commencer par ça. Tu en gardes bien. La même ou... Si tu veux. Disparition. Ah, le coup. Viens. Ah, le coup, donc tu prends par le coup. Ah, le coup. Hop. Oh, j'étais pas loin là. Alors, quels sont les premiers gestes du berger quand on arrive le matin? Faites la surveillance. Là, on voit pas, mais il y a des hiérarchies. Ce sont toujours les mêmes qui vont manger les premières. Donc, selon les comportements de tes animaux, tu dis, tiens, aujourd'hui, toi, t'es pas bien. Donc, faut soigner. Ça, c'est le premier geste. Et le deuxième geste, c'est donner à bouffer parce que ça mange. Mm-hmm. Tu vois. Et puis après, y a toujours plein de boulot, enfin, il y a les agnelages. Moi, j'ai 400 moutons, hein, donc tout seul, j'ai décidé de vendre... Tais-toi, toi. J'ai décidé de vendre ma... Bariton basse. Ma production en circuit court. J'ai rien du tout qui part pour les grandes surfaces et compagnie. Mm-hmm. Ça, c'est pas dans ma philosophie du tout. Tout à l'heure, on parlait de lien avec l'art. C'est exactement la même chose. Je veux dire, si tu veux faire les choses comme il faut, ça demande un gros investissement de ta part. Toi qui chantes, hein, tu le sais. Ok, ça y est, qui essaye pour l'instant. Pas grave. Qui chante. Ouais. Bon, alors, on l'a compris, vous êtes définitivement berger. Mais avez-vous encore des contacts avec le monde de l'opéra, des amis ou des connaissances qui viennent vous rendre visite ou... Non. Non, non. Non. C'est non. Un vrai nom, ça. C'est... Oui, mais c'est un vrai nom. Quand t'es chanteur d'opéra, t'es soliste, tu gagnes du pognon, t'es sur le devant de la scène. Tu brilles quand t'es berger, t'es dans ta bergerie, t'es en bleu de travail, tu sens mauvais, tu gagnes moins de pognon. Voilà, t'as moins d'amis, forcément. Il y a un décalage. Ah, mais même quand j'étais à l'opéra, moi, on m'appelait le paysan de l'opéra parce que j'ai toujours été en décalage avec tout le monde. En tout cas, moi, j'aime bien votre grande gueule. C'est gentil. Voilà.